Salut à tous, vaincre la peur. Saviez-vous qu'il est possible de vaincre la peur? Pour commencer, qu'est-ce que la peur? La peur est le premier sentiment anormal que l'homme a eu à manifester. De Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Ici, c'est Adam qui parle. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur et je me suis caché. Parce que je suis nu. Adam manifeste un sentiment qu'il n'a jamais manifesté. La peur. Mais suite à quoi Adam manifeste le sentiment de peur? Dieu avait dit à Adam de ne pas manger le fruit interdit. Et Adam a mangé le fruit. Adam a cru en la parole de Satan et il a douté de la parole du Seigneur. Donc, la peur naît lorsqu'on doute de la parole de Dieu et que l'on croit au mensonge de Satan. En réalité, la peur, c'est la foi opposée, la foi contre toi. Cette foi qui n'agit pas pour toi, mais cette foi agit contre toi. La foi qui se base sur les mensonges de Satan agit contre toi. Et cette foi produit en toi la peur. Alléluia. Maintenant, deux choses fondamentales sont à l'origine de la peur. Premièrement, les informations négatives. Les informations négatives sont ces informations qui contiennent des idées de peur, des idées de tristesse, des idées d'échec, des idées de frustration et des idées de dépression. Ces idées constituent à enfanter en nous la peur. Donc la peur naît suite à des informations négatives que nous recevons. Vous devez comprendre que le nombre d'informations négatives que vous avez emmagasinées durant votre vie va déterminer votre niveau de peur. Parce que les informations apportent une réaction en vous. Cette réaction peut être positive comme négative. Donc, première origine, les informations négatives. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'esprit de peur. L'esprit de peur est cet esprit qui vous communique une atmosphère de peur et qui vous siffle des idées, des pensées négatives. Vous n'entendez pas une voix, mais vous recevez en vous des pensées négatives. Un exemple simple, vous avez un examen le lendemain, vous entendez cette voix en vous que vous pourriez rater cet examen. Vous entendez cette voix qui vous dit peut-être que vous allez arriver en retard à l'examen. Vous entendez cette voix qui vous dit, peut-être que ce que vous travaillez ne va pas arriver à l'examen. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour l'examen. Des idées qui viennent à vous, vous ne connaissez pas l'origine, mais elles viennent à vous. Ces idées et pensées sont enfantées par celui qu'on appelle l'esprit de peur. C'est celui qui draine cette atmosphère de peur autour de vous. C'est un esprit aussi qui travaille avec le mensonge. Il vous donne des idées de mensonge autour des frustrations et des informations négatives. L'esprit de peur, c'est lui qui fait tout le grand travail. Donc, deux origines. Premièrement, les informations négatives. Deuxièmement, le démon de la peur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vivre à l'abri de la peur? Vivre libre de la peur. Mettre un terme à la peur à travers la parole de Dieu. Mais la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi et la peur sont deux forces opposées. Alléluia. La peur naît suite au mensonge de Satan, mais la foi naît suite à la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Donc la foi qui est l'assurance vient de la parole de Dieu. La peur qui est opposée à l'assurance vient de
mensonge de Satan. Donc la peur vient du mensonge de Satan. Alors, comment faire pour vivre à l'abri du mensonge de Satan? Vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. Lorsque vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous avez comme un mur qui empêche aux informations du diable de pénétrer en vous et vous affecter. Car la parole de Dieu est la lumière. Là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Deuxième réponse pour vivre à l'abri de la peur, le démon de la peur est un esprit qui est soumis à vous. Parce que Marc 16, 17 dit que Dieu nous a donné l'autorité au nom de Jésus de chasser les démons. Donc, si vous êtes assis, vous ressassez des pensées qui suscitent en vous la peur, vous entendez des voix inaudibles qui transmettent dans votre intelligence des pensées de peur, sachez que c'est l'esprit de peur qui est derrière cela. Vous menacez le démon, vous chassez l'esprit de peur et il s'éloigne de vous. Avec ces deux secrets, premièrement, mettre la parole de Dieu au centre, nourris-toi absolument de la parole de Dieu. Reprogramme ton intelligence par la parole de Dieu. Et une fois fait, tu vas commencer à sentir l'assurance dans tout ce que tu fais et dans tout genre de pensée qui t'anime. Deuxièmement, chasser l'esprit de peur. La parole de Dieu vous apporte les bonnes informations. Et avec ces informations, vous vivez à l'abri de la peur. Mais si l'esprit de peur essaie de venir, la même parole de Dieu vous donne l'autorité de chasser le démon de la peur. Au nom de Jésus.